Salut mes amis sur Facebook, c'est John KMB. Voilà, il y a un, audio, un document audio ou un fichier audio qui circule sur WhatsApp. Il euh, y a un ami qui me l'a envoyé, je suis gâté. Euh, je veux qu'il me envoyé. d'abord, et puis on va essayer de faire des petits commentaires. Ce sont plutôt les Américains qui lui ont imposé ça. Justement, on ne voulait pas le faire sortir de, de, de Kinshasa à cause de ça. C'était à condition qu'il signe un document là pour dire qu'il ne reviendrait plus au pouvoir. Enfin, je vais essayer de, de voir si je peux retrouver ça. Mais euh, il devait signer un document. Au début, il ne voulait pas, et pour finir, il a cédé. C'est comme ça qu'on l'a libéré. Euh, donc, ils allaient voir un journaliste Nebalobi, Moi, je ne connais pas c'est quel journaliste. Balobi que Kabila, euh, bah, américain, va bah forcé à euh, signer un document pour dire que Arzozongassou souda politique. Je dirais que Arzozongassou souda m'embobine tel C'est le président de la République. Hein, vu que Bazara ma majorité dans le Parlement, croyant qu'un jour, il va voter loi Moko Boepo, un ancien président Azonga. Voilà un peu euh, lorsque Félix a dit diplomatie au niveau de l'écolo, a été en à Mingi, Bato a été en voyage à Mingi, e il a été Mingi, il à l'État, et Bonana a Félix a dit pour le Congo. Vous regardez la vie de Félix, c'est un civil qui accède au pouvoir. Azali, l'aliboso naé, ancien dignitaire, ex-rebelle, Mindouki Kotoyo, armée Kotoyo, majorité dans le Parlement Kotoyo. Bref, un civil devait entrer dans ce jeu-là, à comprendre le jeu, à apprendre, et puis à Mekako déboulonner comme il avait promis. Et je le dis sans peur, je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère démocratique, dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant. Et nous en avons les potentialités. Je suspecte que euh, Félix Tshisekedi-Tshilombo, président, attend un livre, il y a Général Sun Tzu. C'est un général chinois, un stratégiste, il y a beaucoup de militaires bitumba livre en haut les populaires, populaire c'est vrai mais dans le monde mais des fois on arrive sur internet à lire moi bah, bah idée en et puis quand je n'attends bah idée bah, je retrouve ma bah, stratégie à Félix à quoi appliquer. donc euh, malgré la bah, stratégie à Félix Félix s'alimente aussi dans les bah, livres au bas il faut toujours s'inspirer comme ça dans la vie ils paniquent tous parce que comme Kabila est parti à Colézi, s'est installé à Colézi, je pense qu'il est allé à Colézi, bon histoire de traverser. Je crois qu'il va s'installer, euh, je ne sais plus, en Russie, enfin je ne sais plus où il va s'installer. Comme Kabila, je crois qu'ils sont tous, tous en train d'espérer que Kabila rentre. C'est pour ça qu'ils essayent de, ils font des efforts pour, de part et d'autre pour pouvoir récupérer la situation, mais c'est trop tard, c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Kabila est parti, je pense qu'il ne rentrera plus. OK, vous avez écouté, ce nombre analyse, il y a journaliste Oyo Tébikombote, elle dit que Kabila est parti, a évité ce garçon à Soussou. et Kobimane a dit que c'est une manière de chercher à traverser de l'autre côté, est la Russie. Et puis, tout le monde a dit que le bâtiment de Sousoukina était Cuba. Et vous avez suivi, il y avait aussi un autre audio et que on a intercepté bien a Kabila, et il est voyagé. J'ai parlé avec un cousin qui me dit que non, ce n'est pas encore une information vérifiable, mais il paraît qu'il y a une compagnie aérienne Isali spécialisée dans les cargo une compagnie indienne et c'est par cette voie que bah Bref, cargo on a des véhicule véhicule a valise, c'est à dire que alors, deuxième, c'est remis il y a il y a migration, et les talismans, non cargo, ils ont même suspect. Bon, et puis, pour avoir un avion, le colisage doit être établi. Bon, moi, je me suis dit qu'il fallait le faire. Et tant je l'ai on sait voir, bon, moi, je l'ai pu le faire, ils à dit que moi, je vais partir ici, je sais pas cette carte ici, ceux qui sont allés à la carte, ceux qui sont à l'aéroport, ceux qui sont venus à et ces valises-là, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et puis, il y a des documents, il y a trois ou quatre jeeps. Bon, voilà un peu... Euh, je me rappelle, parce que Kabila, à haut euh, une fois, on a parlé des nations, côté de la Félix, je crois, je crois, deux ou trois jours après l'investiture, il y a Fatih. Donc, euh, vous allez comprendre ici que Kabila n'a plus dents. Kabila, c'est fini. Kabila, Azali, euh, euh, je dirais, euh, euh, réduit. Hein? C'est pourquoi je suis certain que Fatih euh, attendra livre à Général Sun euh, Parce que dans euh, ma stratégie générale, il faut se montrer inférieur devant l'adversaire Pour qu'il n'y arrogance Mais pendant ce temps-là, il y a une stratégie Il faut sans avoir euh, mené un combat Donc euh, Félix, c'est la méthode qu'il a utilisée A casser non seulement Kabila, à aussi FCC Namua et l'Oko, le peuple donne que vous pensez sans combat. Est-ce que vous avez compris cela? Fatih a sa béton. Lorsque nous disons béton, vous allez vous croyez que c'est autre chose. Vous croyez que béton, ça dit a ma valeur. Mais oui, Fatih a des valeurs. Quand on a toujours béton, il faut faut pas congolais, mais il béton et ça dit valeur. La valeur, oui, il est pour la nation. Quand on a toujours ma

À tout moment, là, j'ai bah, interviewé Naé Wonomouna Fachaza Kolobadan. Voilà, Kabila, c'est un partenaire privilégié. Je le consulte lorsque il y a des hommes d'ombre. Elle a dit flatter adversaire, Mais Félix a une mémoire d'éléphant. Ceci me vient encore en tête, les éléphants qui rentrent au Congo. Hein? C'est un signe qu'il ne faut pas négliger. Félix a une mémoire d'éléphant. Pourquoi je dis ça Mais Félix sait que Muto et Agnokola, papa Papanaé, c'est monsieur ici, euh, Kabila... Asa, papa Naé, n'a résidence surveillée. Félix a une mémoire d'éléphant. Félix a dit que papa Naé a euh, élu comme président en 2006, si je ne me trompe pas. 2011, dans mais l'élection. Mais résultat papa Naé. Félix sait très bien avec sa mémoire d'éléphant que son papa a outagé à a bloqué l'aéroport plus de 3, 4 heures, 5 heures. Oubliant que c'était un papa, Asa âgé. Vous connaissez très bien nos papas sur Aje Bongo. La force de rétention, il y a besoin à Bangui de sous ma capacité. Mais quand vous bloquez un papa qui prend des médicaments, à cause qu'il en ont ça, à des petits besoins, mais vous bloquer un aéroport, pendant des heures dans une, dans un avion, dans une jeep, c'est ça qui est ridiculisé. La mémoire de Félix, c'est de rappeler Félix que son papa est mort et il n'a pas été enterré directement. est tout ça, la pour à honorer. Bah papa n'a pas été de pour a de les enterrer qu'il repose en paix. Les éléphants rentrent au Congo. C'est un message qu'il ne faut pas négliger. Félix, discours, il y a le qui a nommé informateur. J'ai demandé à un ami qui était sur place, mais Félix a parlé comme ça, euh, sans, sans lire. Qu'est-ce qui s'est passé Dis-moi un peu, il avait un écran devant lui. L'ami qui était au Congo, à Ipsinga, le mon frère, c'est type est mystique, c'est un discours mystique. Félix a mémorisé son discours. Félix parlait comme ça. Ces discours-là, le c'était mémorisé. La mémoire d'un éléphant. Mes frères et sœurs, les éléphants qui rentrent au Congo, c'est un signe qu'il ne faut pas négliger. Il y a des gens qui ont bah, mis ce milaï, bah, ont remarqué que non, il y a des mémoires d'éléphants Félix a une mémoire d'éléphant. Vous savez très bien que ces pachidères ont des mémoires enfin, je veux dire, solides et fidèles. Et Félix a une mémoire, mémoire d'éléphant parce qu'il se rappelle, je ne papa bah, pas parler de la Félix se rappelle qu'il avait promis aux Congolais il n'a pas oublié. C'était un politicien qui est différent. Allo Baron, chaque fois. Félix a une mémoire d'éléphant. Les éléphants rentrent au Congo. En tout cas, mes frères et sœurs, nous sommes en train de vivre une révolution. Nous devons marquer cette période de l'histoire. L'année 2020. Bon, c'est vrai, elle a été tragique. Naba Moro a toujours subi une maladie et vit mais je vous dirais que cette année a été riche, riche en stratégie, en action en beaucoup de choses, en beaucoup de choses. Alors Kabila est parti. Félix a Betty Bango na Malembe Nyoso. Na déjà m'a récupéré, na Anne l'a récupéré. Il y a des gens qui ont été interdits de voyager. Et durant les deux années oh, l'armée est en train de récupérer des villes, des localités. Hein? Je sais que vous avez des amis qui ne sont pas contents. Vous vous rappelez, c'était un concours d'insulter Félix sur les réseaux. Chacun amenait son injure. Chacun, chacun criait. Martin Falou a appris aux Congolais à insulter les présidents. Pantin. Masque. Natri Rokaté, la politique à Congo, Moutumazubing, la police, on un masque. Pantin. Marionnette. Bah, qui Félix? Mais Félix dans la stratégie au Tang le livre a général Sun Tung. Il dit qu'il faut se rabaisser devant son adversaire au arrogance Nae. et C'est pourquoi vous avez vu des gens dire des choses sur Félix. Ça, c'est le côté Makasi. À tel point que euh, Félix a bêtis bah mon ministre juste à quoi il. Mais j'adore, il n'a pas hésité d'aller crier dans une salle avec une voix étrange On ne va pas nous intimider. Aujourd'hui, qu'il crie encore. Voilà un peu le message d'aujourd'hui pour vous encourager, pour vous dire que nous sommes dans les bons. Continuez à soutenir le président parce qu'il aime le Congo et puis continuez à soutenir le Congo parce que nous aimons les Congolais. Kabila est parti. Ce qui a allongé le Congo, mais il est parti. Dans ma politique, c'est fini. Il est fatigué. La, 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 la manière dont Félix a est ma politique.

Fatih, c'est vrai, a il a un mais à Tekimboca, sur Kabouani et à Kabila. En tout cas, tu peux soutenir peu Fatih. Donc, c'est un discours creux. C'est un discours, il y a de démagogie. Vous ça Parce que la preuve est là. Fatih, non seulement à Kabila, à cette époque, on a un coucoute. Fatih l'a fait à la télévision. Fatih a l'objet de bah, la raison pour Kabouani et à Kabila. N'a FCC. Et puis non seulement Kabula n'a dit mais il a aussi démantelé FCC. Baboulon à dire que les gens qui ont fait des choses comme sauté. Je dirais presque que c'est un sauté. C'est un C'est un C'est C'est un Maintenant, allez dire à votre ami ou tenez les messages inbox. Tout le c'est sait qui dirige toujours Point d'interrogation. Donc cet ami là qui vous bombardez dans les oreilles, qui Fatih Azali Marionnette, Fatih azali n'a pouvoir des, nous ne sommes pas à Kabila. Tout n'a mutuana. Par information on dire que le Kabila contrôle tout, à nos rangs ou Par ses propres recherches ou bien a Non c'est toujours en fait le président, l'ex président Kabila qui tire les ficelles. Vous avez trouvé la formule, oui. C'est un faire-valoir, mmh. c'est une marionnette qui est là, qui est en train de chauffer les sièges de Kabila et à tout moment, Kabila pourra l'éjecter et mettre quelqu'un d'autre. Monsieur, tu savais pourquoi Fayoulu disait ça Est-ce que tu t'es déjà interrogé pourquoi Fayoulu continue à attaquer beaucoup plus Félix que Kabila Bien que Fayoulu a, une fois, dit que Yazali, Koubounissa, Félix, était. Je ne sais pas, je ne, je ne comprends pas ce qu'il dit. Ça, il faut, il faut vraiment... C'est pour ça que je vous ai dit que moi, je ne suis pas opposant. Quand on dit qu opposant, on peut se c'est tu dit, non Moi, je combat le système Kabila. Je combat le système Oyuttam Sona Bouroubu. La démagogie. Donc, combat Nanga et Angouana. Moi, je combat le système Kabila. Je combat le système Oyuttam Tempson Bouroubu. Moi, je combat le système Kabila. Lui, il s'attaque à Kabila. Mais on a vu, bah, qu'il révirement, Bakaya, Fayoulou. Le... Monsieur Tshisekedi, il le sait, il n'est pas, il n'est pas légitime. Non seulement il est, il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. J'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, monsieur Tshisekedi court oh, un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Faillo a senti il n'y a pas longtemps que Fatih Azobeta Biloko a sallié na Dire que Félix a violé la constitution. Vous comprenez cette histoire-ci? Au Congo, nous avons des professeurs en droit constitutionnel. Ces professeurs-là passent à la télévision et disent que le président n'a pas violé la constitution. Donc un professeur de droit constitutionnel a dit que la constitution n'a pas été violée.

mais bah, lui-même n'a pas accès à la connaissance directe. Il va te dire que non, c'est pas interposé. Donc, c'est pas... moi, ça m'a oublié, ça m'a Donc, lui, il croit à cet ami-là. Mais, yo, C'est comme ça avec les Congolais. Lorsque les professeurs viennent et disent que la constitution n'a pas été violée, bah, vous allez voir des gens dans, bah, dans le soin de coiffure, bah, dans le sous-sous, dans bah, le mélisier, dans bah, le charpentier, bah, 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 dans de à droite, qui vous disent que non, il a violé la constitution. Donc, vos amis qui ont crié. Kabila dirige Félix Azali masque. Aujourd'hui c'est silence total, silence radio. On commence à vous ramener sur ce qu'il a bagara même si même ça muta couvert malade, maladie, une béni. Oh bazobu mana Et pourtant aujourd'hui nous pouvons conclure que Félix a assisté une maladie, une béni. Notre armée commence à faire bah à amiki miki là-bas. bah zone moka miki miki au moins 4 5 bandits parce que ce n'est plus de la rébellion en Est Congo, est comme du banditisme. Parce que s'il faut parler des rebelles, bon, rebelles revendiquent. Qu'est-ce que ces rebelles la revendiquent C'est quoi, quoi leur slogan C'est qu'est-ce qu'ils revendiquent Vous allez remarquer qu'ils ont dit tout le monde va tout le monde va où il a ramené mon commerce illicite. Donc, euh, bref, ils ont dit banditisme armé armé. Ce qui reste à l'est du Congo, mais on va les frapper. C'est comme aujourd'hui. Si vous allez, vous regardez sur le site FBI le nombre de morts, le nombre de tueurs aux États-Unis par année. Bah, c'est-à-dire qu'on a bah, bah, 5, 7, 8 000 personnes tuées aux États-Unis par criminalité, banditisme. Est-ce qu'on va dire que le, le, les États-Unis, le gouvernement est faible ou bien... Non, c'est-à-dire que dans chaque pays, il y a des bandits. Alors, ce qui se passe à l'est du Congo, ils allaient parce que les zones ont été occupées par des troupes armées, les ADF ont fragilisé Bambebe la kana est du congo et pour l'histoire, les gens vont lui raconter les ADF à Bakota la Congo comment. Ce ne sont pas des gens qui ont été invités au Congo. Ce sont des Ougandais. C'est lorsque Idi Amin Dada a coupé régime ne coue, Batunaye, doctor Benitika, DSP Idi Amin Dada. comme d'habitude, tu étais un dictateur, tu as une armée, un homme qui privaient, faut appeler ça comme ça, au basaka gater na Bambindu qui va gater na na Bandaku. Et lorsque tu tombes au Pakatimba en bakimi. Et bon, ils vont se reconstituer, mais ça sera rebelle mais qui nous aux pouvoirs. Et ils ont fui où Bakimi la Congo, les ADF. C'est la, la, la DSP il y a Dada. Et pourquoi Bakimi la Congo Et parce que Idemi Dada, je sais pas si c'est le cousin de Mobutu mais c'est le frère de Mobutu, c'est son ami. Il Démie Dada beaucoup était en Mobutu mbalebelé. Les gens les gens même disent que c'est pas cousin, c'est son frère. Donc, c'est aussi Mobutu bouton, en quelque sorte, en guillemets, mais même si Maman a des fois, il est confrégé de Mboka. Mais on ne parle pas de lui. Aujourd'hui, il y a même des gens qui osent, qui osent dire que Maman est sa faute à Félix. ouais Donc, les amis qui vous disaient que c'est Kabla qui dirige, Mbamboa n'est pas un congolais, Mbamboa est un banglothé, Mbamboa continue à coopérer

c'était des choses qu'il disait comme ça dans les vides parce qu'il fallait qu'on répétait comme des perroquets. C'est que Martin Faïlo disait. mais Vous avez compris aujourd'hui, démarche à Martin Faïlo Kabila Kabouani, Félix. Félix Kabouani, Kabila. Mais son discours, maintenant, il ne s'est plus de debout. Ake Mesu Koussa là-bas, ma meeting, na Sainte Thérèse. Il va dire quoi Quels seront les messages kabila kanga mboka kabila sali boyi kabila wana aza kokima aza kosenga batina ye bayp na ye ekombi na d bablocke si kabilakidirige emona ekongoemonekongo